Voilà, shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, parce que là, je suis déjà à la salle de la veillée de la prophétie. Alléluia. Là, je suis déjà à la salle de la veillée de la prophétie. Donc, connectez-vous massivement, connectez-vous, partagez le direct. Les gens ont dit, oh, le prophète n'est pas à Paris. Moi, je suis à Paris, hein. Moi, je suis à Paris, voilà. Donc, connectez-vous massivement. Amen. Connectez-vous, Amen. Moi je suis déjà à Paris, connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. On va aller visiter la salle ensemble, alléluia. On va aller visiter la salle ensemble. Vous savez, le Seigneur dans sa fidélité est en train de faire des choses extraordinaires. Amen. Et nous croyons en la main de Dieu, nous croyons en la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui agit encore en la faveur des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous vous invitons massivement. S'il vous plaît, partagez-moi ce direct. Partagez le direct. Invitez plusieurs. Oh, là, c'est Kiyavara. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Dites à quelqu'un que le prophète est à Paris. Alléluia. Nous sommes là pour la veillée de la prophétie. Alléluia. Nous avons bien voyagé. Dieu nous a accordé la grâce d'être là. Donc, partagez le direct massivement. Partagez le direct, s'il vous plaît. Alléluia, partagez le direct. On va aller visiter la salle ensemble. Demain est le grand jour spécial. Le grand jour spécial, c'est demain. Amen. Dieu nous accorde la grâce. Alléluia. Tu peux un peu tenir ça, ma fille. Tiens ça un peu comme ça. J'espère que tu espères. Hein? Voilà. C'est bon, non? Ouais, c'est bon. Je veux faire quelque chose d'abord. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Le prophète est à Paris. Partagez le direct. Oh, partagez-moi ce direct. Alléluia. Nous sommes en direct. Amen. Voilà. J'espère que le son est bon. Hein. Partagez le direct. Voilà. Les Sauvara. Voilà. Partagez le direct, s'il te plaît. Invite quelqu'un à se connecter. Dis à quelqu'un que le prophète de la nouvelle génération est à Paris. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires pour sa gloire. Donc, nous allons aller visiter la salle. Voilà, tu peux... Voilà, vas-y, on va aller visiter la salle. Alléluia. On va aller visiter la salle. Tu veux un peu... Oui. Alléluia. Partage le direct, s'il te plaît. Partage. Oh, partage-moi ce direct. Partage ce direct. Partage ce direct. La Sokevaraba Kaizava. Voilà. Merci, ma fille. Alléluia. Partagez-moi le direct. Dites à quelqu'un que... Le prophète de la nouvelle génération est à Paris. Nous sommes là pour la grande veillée de la prophétie qui se tiendra demain, alléluia, à partir de 22h par la grâce de Dieu. Nous allons prophétiser comme jamais, nous allons prier et la gloire de l'Éternel, je vous dis la vérité, va se manifester. Donc si tu es à Paris et ses environs, partage ce direct à quelqu'un, s'il te plaît. Je ne veux pas que quelqu'un reste à la maison. Là, tu n'es pas en route là, ça va? Non, ça va aller. Ok. Je ne veux pas que quelqu'un reste à la maison. Dites à quelqu'un, c'est bien moi, le prophète de la nouvelle génération. Je suis à Paris. Je ne sais même pas avec les bruits. Je suis à Paris. Partage-moi ce direct. Partage le direct. Oh. Oh. Partagez-moi le direct. Le prophète de la nouvelle génération est à Paris. Partagez le direct. C'est bien moi, le prophète Lionel Wanji. C'est bien moi, c'est moi. Partagez le direct. Je suis à Paris. Voilà la salle. Alléluia. Voilà la salle là-bas. Amen. Montre-le la salle là, ma fille. Montre-le la salle. Voilà la salle. Fais attention, hein. Vous voyez que la voiture. Vous voyez qu'on disait que le prophète est venu donner quelqu'un à vous. Parce que nos ennemis sont champions ici d'ailleurs. Nos ennemis sont champions ici d'ailleurs. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Je suis avec ma fille Gilberte Simo. Montre-le la salle. Voilà la salle là-bas. Voilà. Elle a voyagé de Nantes. Pour venir à la veillée de la prophétie. Alléluia. Partagez le direct. Voilà la salle là-bas. Amen. Voilà, soyez nombreux. Voilà. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Voilà la salle. Il faut que je m'éloigne un peu pour qu'on puisse bien voir la salle. Voilà la salle. Je ne sais pas. Voilà la salle là-bas. Vous voyez la salle? Voilà la salle. Je ne sais pas. Vous voyez la salle? Voilà la salle là-bas, attendez. Voilà la salle. Voilà la salle. Montez-le, ma fille, montez-le la salle. Voilà la salle là-bas. Voilà. Voilà la salle de la veillée de la prophétie. Donc, je vous attends nombreux.
On va aller visiter ensemble. Alléluia. On va aller visiter ensemble par la grâce de Dieu. Voilà. On va aller visiter la salle ensemble. La Sokeyava. Le Seigneur est fidèle. Et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Maman Patience est déjà dans la salle. Elle est en train de. Voilà. Elles sont pour les répétitions de la chorale. Amen. L'entrée là, c'est où ma fille? C'est là? Ok. On va aller. Là, ça, ma fille Gilberte est 6 mois. Elle sort de Nantes. Elle sort de Nantes. Elle ne vit pas à Paris. Elle sort de Nantes. 4 heures de route uniquement pour la veille de la prophétie. Le Seigneur est fidèle. Ça va cuire. Oh, ça va cuire. Ça va cuire. Ça va cuire. Arrête-moi la porte, ma fille. Merci. Voilà. Nous sommes comme ça dans la salle. Ben, là, ce n'est pas encore la salle. Voilà, nous allons aller d'abord. Nous sommes avec, voici le pasteur, c'est le pasteur. Voilà notre pasteur, le pasteur. Bonjour, Francis. Le pasteur Francis, voilà. Le deuxième pasteur. Le deuxième pasteur, alléluia. Merci. Que Dieu soit glorifié. Dans la salle tout à l'heure, voilà. Voilà, ici là, bien aimé, vous voyez, nous avons. Voilà, la connexion elle est revenue. Voilà, je vais rentrer dans la salle un instant. Je vais mettre la caméra là sur moi. Voilà, allez-y. Allez, voilà, Jésus est plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. En fait, passer sur le téléphone. Voilà, c'est venu. Voilà, je vais remettre sur moi. Voilà, donc bien aimé, nous allons aller visiter la salle. Voilà, Dieu. Et Dieu va se glorifier. Voilà, nous sommes comme ça dans la salle. Nous sommes dans la salle. Voilà. Nous sommes comme ça dans la salle de la veillée de la prophétie. Alléluia. Vous avez vu la salle? Une très belle salle climatique. Voilà. Voilà, la connexion, elle est revenue. Excusez-nous du dérangement. On dit quoi? Du désagrément? C'est ça? Hein? Voilà, donc vous savez, moi j'avais fui l'école, donc. Mais ça va aller. Dieu est fidèle. En tout cas, voilà, le plus important, c'est qu'on soit présent. Donc je vais vous présenter la salle. Voilà, vous pouvez bien observer, par la grâce de Dieu. Dieu nous a accordé la grâce d'avoir vraiment une très jolie salle. Et j'expliquais, voilà, ce matin, que j'ai eu une vision le matin aux environs de 5 heures. Je ne sais pas si c'est 5 heures ou 6 heures, un truc comme ça. Où, dans la vision, en fait, j'étais dans cette salle. Ça, c'est la première fois que je viens ici. Hein. Pierre, je ne suis jamais arrivé ici. C'est la première fois. Et dans la vision, je me suis retrouvé dans la salle-ci. Parce que j'ai remarqué à cause des chaises-ci. Tu vois? Donc, je me suis retrouvé dans cette salle. Et j'ai vu les gens venaient. Et moi, j'étais en train de porter les chaises pour leur donner pour qu'ils puissent s'asseoir. Tu vois? Et ce que j'ai remarqué plus dans la vision, c'était les chaises. Et quand je suis entré ici tout à l'heure, la première chose qui a attiré mon attention sur la vision, c'est les chaises que j'avais vues ici. Et c'est ça que j'ai dit au pasteur tout à l'heure, hein, Pierre. Je suis jamais venu ici, non? Voilà, je suis jamais venu ici, hein? C'est la première fois que je viens. Donc, le Seigneur est fidèle, voilà la salle, voilà, vous pouvez constater, voilà, nous vous attendons massivement, nombreux, par la grâce de Dieu, pour la prière, pour des moments intenses dans la présence de Dieu, avec des enseignements. Voilà, qui nous amèneront à mieux connaître la pensée de Dieu en ce qui concerne le royaume des cieux. Voilà, nous pouvons constater là, la salle, elle est là. Il y a la place pour tout le monde. Hein. Voilà, on a la place pour tout le monde. Parce que là, on a un deuxième niveau ici que je vais vous présenter. Voilà, voilà la salle. Donc, bien aimé, nous vous attendons massivement. Je suis à Paris. La Grèce, je vais vous donner la Grèce un instant, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne nous vois pas nombreux. Partagez le direct. Voilà la salle. Vous voyez, nous sommes en plein cœur de Paris. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Nous sommes en plein cœur de Paris. Et ça, c'est vraiment la main de Dieu. Regardez, il y a même des chaises en réserve. Il y a des chaises en réserve. Donc, quel qu'en soit le lieu où tu es actuellement, si tu nous écoutes à Paris ou dans les banlieues parisiennes ou alors dans les provinces, alléluia, je t'attends, nous vous attendons.
Alléluia. Massivement pour ce grand programme. Amen. Par la grâce de Dieu. Et nous voulons prier, nous voulons enseigner la parole de Dieu. Nous voulons que le maximum de personnes soient impactées par la grâce de Dieu. Donc, bien aimé, n'hésite pas, ne manque pas. La salle, elle est très grande. Vous voyez, nous vous attendons massivement. Et il faut dire, c'est ici également que nous allons continuer avec les cultes dominicaux tous les dimanches à partir du 3 septembre 2023. Donc, c'est-à-dire le mois prochain, le premier dimanche du mois prochain, nous commencerons également les cultes dominicaux ici par la grâce de Dieu. Donc, tout est là, tout est prêt. Les caméras bien installées, tout y est là. Voilà, vous pouvez bien constater. 133 route de la Reine. Voilà, 100, voilà. Le pasteur va donner la graisse. 133 route de la Reine à Boulogne-Billancourt. Voilà, 133 route de la Reine, Boulogne-Billancourt. C'est entre le périphérique et la Seine. Amen. Ça, c'est légèrement à l'extérieur, mais c'est encore la proche banlieue, comme on appelle. Amen. Voilà. Donc, voilà la Grèce. Métro Pont de Saint-Cloud. Métro Pont de Saint-Cloud. OK. Pont de Saint-Cloud. Métro, station de métro Pont de Saint-Cloud. Ligne 10, métro Pont de Saint-Cloud. Alléluia. Donc, c'est important de retenir la graisse. Voilà, vous avez écouté. Voilà la graisse que le pasteur a donnée. Donc, nous vous attendons massivement, bien-aimés. Nous vous attendons massivement. Ne loupez pas ce programme. Ne manquez pas ce programme. C'est demain à partir de 22h par la grâce de Dieu. Voilà, nous serons ici là pour la prière, pour la prophétie. Voilà. Est-ce que tu as un mot à dire? Je suis avec mon fils Stéphane. Il est là, il est présent. Alors, tu as un mot à dire? Demain, on va être présent. Voilà. On vous attend. Voilà. Et soyez nombreux. Voilà. Tu veux dire un mot, Pierre? Merci, gloire à Dieu pour tout. Voilà, le Seigneur, voilà, le Seigneur va faire. Voilà. Tu veux dire un mot? Non. Nous bénissons le Seigneur pour ce lieu. Amen. Nous disons Amen. Merci à Dieu. Et demain, la prophétie va descendre ici Amen. Demain. Amen. Et chaque chaise, je prophétise que toutes les chaises seront remplies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Wow. Soyez bénis. Alléluia. Voilà, voilà ma fille Gilberte et Simo. Est-ce que tu as un mot à dire? Merci déjà d'être arrivé ici. Amen. Et venez nombreux parce que demain, Dieu va se manifester puissamment ici demain. Amen. Venez nombreux au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, voilà, nous sommes en plein préparation. Que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons massivement. La salle, vous avez vu, elle est bien grande. Elle peut accueillir le maximum de personnes possibles par la grâce de Dieu. En tout cas, le Seigneur est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous tout à l'heure pour un autre direct par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom.